Bonjour tout le monde. L'on m'a souvent demandé un portfolio très complet. J'en propose déjà un ou deux sur le site. Mais là, cette fois, oui, je vous ai trouvé quelque chose de très complet que j'ai décortiqué. Bon, ici, je vais faire qu'un tour succinct. Il est réalisé donc avec HTML5, CSS3, jQuery, bien sûr. Il est responsive, c'est ce que l'on m'a demandé aussi, ce qui est très intéressant, vous voyez. Bon, pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que responsive? Bon, simplement pour une bonne lecture sur les téléphones portables, hein. Donc voilà. Alors, je redescends et tout reprend une autre taille. Vous voyez ici, les petites vignettes s'agrandissent, ainsi que les textes, puis le reste. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors. Ici, nous avons un slider. Bon, ici, vous mettez ce que vous voulez. Ici, nous avons par famille, donc, un portfolio. Voilà. Et qui fait une petite galerie avec des petites vignettes ici. Bon, c'est un peu le même principe que Zoombox que je propose déjà sur le site. Bon, vous tapez Zoombox dans le moteur de recherche et vous trouverez. Vous verrez que c'est un peu le même principe d'ailleurs pour sa configuration aussi. Alors ici, nous avons, comme l'on trouve sur certains sites qui parlent de d'une évaluation de compétences, mettons. Alors en Photoshop, par exemple, 65%, HTML5. 45, jQuery 85 et ici CSS3 95. Alors nous pouvons régler donc par exemple ici les 65% correspondent à la partie claire. Donc cela peut se régler sur cette même page, donc sur l'index. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Bon, ici vous pouvez mettre donc des liens, hein. Là, des images que vous pouvez faire pointer vers des travaux que vous avez réalisés ou des sites. Voilà. Et ici, un formulaire de contact qui marche très très bien. Ici, réseaux sociaux. Voilà. Bon. Alors, ah oui, vous avez un petit top pour remonter. Voilà. Bon, alors, lorsque vous l'aurez téléchargé, décompressé. Bon, je vous laisse regarder à l'intérieur des répertoires où se situent les images, à quoi elles correspondent. Vous n'aurez qu'à donc faire le rapprochement entre les sources et puis le contenu, par exemple l'image, vous avez un certain nombre donc de répertoires. Voilà, bien. Donc ici, vous éditez le fichier index et le fichier contact. Voilà, j'ai pris un éditeur avec un fond clair de manière à ce que vous facilitez la lecture. Bon, en haut, dans le header, bien sûr, vous avez les CSS et vous avez le JavaScript. Bon, je vais m'arrêter que sur certains points. Voilà, on descend, on descend. Donc, je précise pour ceux qui débutent que tout tient sur cette seule et unique page ici, hein. Alors, je descends. Voilà. Alors, par exemple, pour la galerie, tout comme pour quand je veux dire Zoombox, eh bien la suite de l'URL donc de la photo, de l'image, vous tapez la famille pour avoir toutes les images regroupées. Donc ici c'est galerie, un petit shortcode que vous retrouvez donc à la suite de chaque image. Donc vous mettez bien toujours le shortcode. Ensuite vous avez la classe qui doit correspondre. Alors ici à l'ID ici c'est work. Oui, au pluriel. Alors ici c'est work JS. Voilà. Et donc, vous allez pratiquement retrouver la même classe. Donc, à vous de regarder dans les répertoires et dans les fichiers si vous voulez modifier. Hein, vous pouvez modifier, je crois, les thèmes. Hein, voilà. Allez voir le tutoriel concernant Zoombox. Et vous pouvez éventuellement le télécharger. Alors ici, pour les boutons de compétences, bon, eh bien, vous avez là ici, par exemple, pour Photoshop, la valeur, donc value 65, c'est bien ce que nous retrouvons. Voilà,
65. Donc je vais le modifier. Je vais mettre 10. Je rafraîchis. Voilà. Donc 10, la partie claire est donc petite. Voilà. Alors vous pouvez faire la même chose. Donc ici. Pour les autres. Des autres présentations, pardon. Donc ici, il s'agissait donc de HTML5. Alors vous descendez, par exemple ici jQuery, vous cherchez value. Alors je cherche value et je rétrécis la fenêtre, donc c'est pas évident. Attendez, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Bon. Alors voilà. Par exemple ici value 85, ici 95. 45, et là où nous étions tout à l'heure, value 10, que je remets donc à 65. Voilà. Je rafraîchis ma page. Voilà, c'est revenu à 65. Et là, bien sûr, la partie claire s'est agrandie. Alors ici, vous mettez les liens que vous souhaitez. Ici, des images, donc avec un effet jQuery et non CSS, ce qui est beaucoup plus joli. Et ici un formulaire de contact qui fonctionne très très bien, je l'ai testé. Alors vous pouvez éventuellement rencontrer une difficulté si vous le testez en local, testez-le donc en ligne. Ici les réseaux sociaux, voilà. Bon, là je pense qu'on a fait le tour. Je reviens, alors pour ceux qui débutent, donc, pardonnez-moi, mais la fenêtre est un peu petite, étant donné que là je n'ai pas beaucoup de place. Donc tout se passe sur la même page, donc à vous de modifier vos images. Bon, il va vous falloir un peu de temps, mais pour un résultat qui en vaut la peine, voilà. Bon, je ne détaille pas tout, là vous comprenez bien que ce serait beaucoup trop long. Alors, j'ai dit vous éditez le fichier contact. Alors le fichier contact, à part mettre en français ce que vous souhaitez mettre en français, par exemple, email, name pour mettre nom, message, bon là c'est en français. Ici, là, simplement, vous mettez votre adresse mail. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est donc pas là le plus compliqué. Ce sera certainement, eh bien, la, comment je veux dire, de mettre en français donc tous les titres. Bon, pour le menu, les liens correspondants. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez changer aussi les couleurs en ouvrant le fichier CSS. Bah, pour cela, vous regardez les sources. Bon, alors, je peux comprendre que pour certains, cela puisse poser un problème pour ceux qui débutent. Alors, n'hésitez pas à utiliser le système de commentaires. Dans la limite d'une intervention que je veux bien faire directement pour vous, bon, bien, dans le système de commentaires, je peux déjà vous guider, répondre à certaines questions. Si vous rencontrez des difficultés, mais je ne peux pas, bien sûr, vous le traduire complètement, vous le comprenez. Bien, ben écoutez, je pense, ah oui, ici, vous pouvez donc, moi j'ai mis un petit logo à la place, voilà, donc c'est dans le répertoire images. Bon, bien, j'espère que ce petit tutoriel, surtout ce portfolio, vous rendra service. N'hésitez pas. À bientôt.